Principe numéro un, c'est que le canal n'a pas doué camper. Nous tous d'accord sur ça. Et quel que soit haïtien conséquent, haïtien authentique pour ces questions sur le canal là, la clair sur ça. Le canal n'a pas doué camper, donc le canal l'a fait. Quand on a demandé si le canal l'a fait et puis il n'a pas réussi à grand chose, mais moi-même, moi j'étais optimiste. La privée a atteint l'objectif là qui c'est irriguer près de 3000 hectares de terre au niveau de plein Maribao. Moi, je parlais avec des ingénieurs agronomes qui disent nous, il y a plus de terres cultivables dans la zone. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons besoin de plus de canal toujours. Oui. Mais j'aime dire tout à l'heure, projet ça, Tadoué, un projet qui lance un message pour dire une fois pour toutes, développement nous tout rêver à l'idée de commencer par le Nord-Est. Ok, nous commençons à canal ça, probablement que de l'autre rivière, qui est dans de l'autre plein d'un pays qui peut aller dans la mer. Donc nous avons tout profité de l'occasion pour nous tout faire de l'autre canal sous rivière pour nous planter comme ça. Nous avons retiré votre nous dans la République Dominicaine avec les États-Unis d'Amérique qui en vend un afin de faire chantage. Mais Johnny, nous avons fait un petit son pour nous. Il y en a des matériels qui pourraient nous faire qui sont ça. Nous simplement souhaiter que ce n'est pas démagogie. D'ailleurs, c'est ça que je souhaite. Et nous avons dit ça là. Nous avons dit que moins voulons l'État dans le leadership là. Pour qui ça? Parce que le canal là, c'est une affaire d'État ou bien c'est une affaire de l'État. Pas oublier, nos canals là, nous prenons comme un simple projet ou bien une simple infrastructure. Il y a trois dimensions. Il y a une dimension sociopolitique, mais il y a une dimension technique, mais il y a une dimension diplomatique. Tout. Parce que nous avons parlé de rivières Massac qui sont ressources binationales. Ça veut dire la